dans votre émission, il est minuit, il est, 20 heures, euh, enfin, il est 19h27 heure locale. Donc, nous sommes en direct sur TV et à radio de vie. Que le Seigneur soit béni pour euh, votre présence. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grâce. Merci pour ta parole. Seigneur, illumine-nous avec euh, ton évangile. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour les frères et sœurs qui sont connectés ce soir. En nom de Yeshua, notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions, Père. Amen. Voilà, mes amis, nous allons parler ce soir de, de Yeshua, le Dieu qui vient. Le Dieu qui vient ou le Dieu qui revient nous prendre. Nous avons parlé la dernière fois des douleurs de l'enfantement que la terre, que la création éprouve, selon Romain chapitre 8. Et euh, donc on va rapidement prendre ce passage hein, de Romain chapitre 8 à partir du verset 22. Juste le verset 22, on va lire. Et euh, Paul donne euh, poussé par l'esprit bien sûr donne euh, comment dire euh, un, un indice concernant euh, le retour un indice sur le retour du seigneur et, euh, euh, voilà. or nous savons que jusqu'à ce jour toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Alors l'enfantement dont il est question ici, c'est le retour bien sûr, du Maître, le retour de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, et, euh, ou encore la révélation, hein, donc, euh, la révélation des enfants de Dieu. donc D'abord, Yeshua va se révéler autrement, et, euh, et puis il va en même temps ben, révéler au monde entier ses propres serviteurs, ses serviteurs, ses servantes, et euh, ses enfants, et la véritable Église. voilà Alors, nous allons voir. Euh, au travail des Écritures, dans les Écritures, que Yeshua qui vient n'est autre que Yahweh. On en a déjà parlé et nous voulons encore ce soir, aujourd'hui, vous en parler avec d'autres détails pour que vous compreniez que Yeshua est bel et bien le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées, le Père d'éternité, le Père éternel comme Esaïe l'a enseigné. Parce que beaucoup de chrétiens disent que Yeshua vient. Mais ils ne savent pas que c'est lui le véritable Dieu qui vient, que c'est lui Yahweh. Oui. Ils pensent encore qu'il y il, il aura un autre Dieu sur le trône qui va rester au ciel pendant que le Seigneur sera sur terre. Alors que les Écritures nous disent que c'est le Dieu Tout-Puissant lui-même qui viendra. Et ce n'est pas moi qui le dis. Les Écritures les témoignent. Et nous croyons que Dieu a toujours raison. Au travers de, cette, de cet enseignement, vous allez comprendre, pour ceux qui ne le savaient pas, ne le comprenaient pas encore, ceux qui sont du Seigneur bien évidemment, que Jésus est bel et bien Yahweh, que Yahweh c'est Jésus, Jésus est Yahweh, que Jésus est Dieu, parce que les Écritures nous disent que c'est Dieu qui vient. Donc on va le voir. Allons rapidement dans le livre, on va commencer par le prophète, bien sûr, Esaïe, donc vous avez vu que l'enfantement le, de la création, l'enfantement qui euh, aura lieu. Dans les prochains jours, voire même dans les secondes à venir, parce que le Seigneur peut revenir, bien sûr, et il peut revenir à tout moment, même s'il y en a un qui ne le pense pas. Bien évidemment, le Seigneur dit que euh, soyons prêts, on doit être prêts. Voilà. Donc, euh, et euh, mes amis, on va rapidement voir dans. Euh, donc, je vous parlais de l'enfantement, bien sûr, cet enfantement concerne justement le retour du Maître et en même temps la révélation des enfants de Dieu. Allons voir dans Ésaïe chapitre 35. Ésaïe 35, le prophète nous apprend beaucoup de choses ici. Alors, qu'est-ce qu'il enseigne Il dit à partir du verset 3, fortifiez les mains lâches et affermissez les genoux tremblants. Pourquoi bien Parce que avant l'enfantement, il y a des douleurs. Donc, la création éprouve... Beaucoup, beaucoup de douleurs, c'est ce que l'on voit, on en a parlé la dernière fois. On parle de guerre, on parle de problèmes climatiques, on parle de problèmes politiques, on parle de problèmes humanitaires, on parle des troubles, on parle des problèmes euh, de corruption dans les assemblées, des pasteurs qui vont de plus en plus que des femmes d'autrui, qui détournent l'argent du Seigneur. Donc on voit toutes sortes de scandales, on en entend ici et là, dans la plupart de nos assemblées aujourd'hui. Donc on voit que beaucoup de chrétiens, à cause de tous ces scandales, à cause de tous ces problèmes, à cause des problèmes que le monde connaît, des nations qui s'élèvent contre d'autres nations, et euh, toutes ces, tous ces massacres, aussi bien en Afrique qu'en qu Europe, aux États-Unis, en Asie, dans le monde, hein, tout simplement. Bien beaucoup de chrétiens qui attendent le retour du Seigneur ont les mains, mais malheureusement, affaiblies, hein, des genoux qui tremblent, et hein, donc beaucoup sont comme abattus. Et surtout, ceux qui sont du monde, hein, ceux qui ne sont pas en Christ, bien évidemment, sont dans la dépression. Parce que tout le monde s'aperçoit que euh, le monde va mal. Alors, qu'est-ce que Dieu dit ben, Fortifiez les mains lâches et affermissez les genoux qui tremblent. Et au verset 4, il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Donc, vous voyez bien que les gens sont troublés. Nous sommes secoués par toutes sortes de situations, les ouragans qui frappent de plus en plus euh, des nations, des, des, des îles. Et, euh, et Dieu dit justement ici, dites à ceux qui ont le cœur troublé, êtes-vous troublés, mes frères et sœurs, par une situation, par un problème, par un deuil, par euh, une maladie Dieu dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus. Prenez courage et ne craignez plus, oui, parce que les gens ont peur, beaucoup ont peur, par rapport à leur, leur, leur avenir, leur vie, leurs enfants. Et il est dit quoi Voici votre Dieu. J'aime cette parole. Voici votre Dieu. On présente Dieu. C'est ça l'évangile. C'est la présentation de Dieu. Le monde a besoin d'entendre parler de Dieu. Le monde a besoin de vivre Dieu pour être restauré. Les hommes ont besoin de voir Dieu à l'œuvre, de voir Dieu se manifester dans leur vie. Et c'est pour cela, ici, on nous dit, voici votre Dieu. C'est ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas, voici l'homme, le pasteur. Hein? J'entends, euh, je vois en Afrique, au Congo, Kinshasa, quelqu'un, pasteur qu'on appelle, voici l'homme. Quelle abomination. Quelle abomination. On n'a pas besoin qu'on nous présente des pasteurs. On a besoin qu'on nous pr présente le Dieu véritable, celui qui sauve, celui qui guérit. Et Yeshua, notre maître. Et là, on nous dit, voici votre Dieu. La vengeance viendra. Ben oui, parce que ceux qui sont troublés. Ceux qui ont euh, des genoux tremblants ben, ont subi beaucoup d'injustices. Et ils demandent, n'est-ce hein, pas, que Dieu les justifie. Ils demandent la justification du Seigneur. Et ben, Dieu dit qu'il va se venger. Il va, n'est-ce pas, euh, les justifier. La, la, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Oui, parce que Dieu va, bien sûr, rendre à, à chacun selon ses œuvres également à nos ennemis. Il viendra lui-même et vous délivrera. Il viendra lui-même et vous délivrera. Qui viendra lui-même On n'a pas dit euh, euh, quelqu'un d'autre. On dit Dieu lui-même viendra. Et bien sûr, cette prophétie qui a été donnée au 8e siècle avant Jésus-Christ a deux volets. Le premier volet ici fait allusion à, au premier et euh, à la première venue du machi. Hein, parce que le verset 6 nous dit que alors les yeux des aveugles seront ouverts, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a ouvert les yeux des aveugles. Les oreilles des sourds seront débouchées, c'est ce qu'il a fait. Alors le, le boiteux sautera comme un cerf, c'est ce qu'il a fait. Et la langue du muet chantera en triomphe, c'est ce que le Seigneur a fait. Voyez, car des eaux jailliront dans le désert et des torrents dans le lieu solitaire. Sur le plan spirituel, c'est ce qui se passe avec l'Évangile, avec mes amis, le déversement et l'effusion du Saint Esprit. Parce qu'il est question ici des eaux qui vont jaillir. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans le livre de Jean, chapitre 7 Il a dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive hein, sortiront, couleront de son sein. » Et Le Seigneur l'a dit, donc il a confirmé dans Jean 7, cette parole d'Ésaïe, chapitre 35. On peut même le prendre, Jean chapitre 7. Parce qu'on nous parle des eaux qui vont sortir, qui vont couler. Hein. Bien sûr, il est question de l'esprit, selon euh, Jean. Donc, vous voyez bien quand Esaïe parle des eaux qui vont déborder, qui vont, n'est-ce pas, et, euh, aller jusqu'au désert, eh bien, là il est question, bien sûr, de euh, l'effusion du Saint-Esprit. Alors, regardez, euh, le Seigneur dit dans Jean chapitre 7, verset 36, 38, pardon, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39. Or, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Donc vous voyez bien que Ésaïe là-bas, 35, nous dit qu'on hein, va revenir sur Ésaïe 35, qu'il ben, va y avoir des, 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 des eaux hein, dans le désert. Eh ben, il est question ici tout simplement du Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait dans Actes chapitre 2, l'Esprit a été, mes amis, euh, répandu. Voilà, donc car des eaux jailliront dans le désert et des torrents dans le lieu solitaire. Effectivement, ceux qui ont les genoux tremblants, ceux qui ont des mains lâches, ceux qui sont abattus, ce sont ceux qui vivent le désert. Et nous sommes dans une période où il y a effectivement un désert dans le monde. Le monde est comme dans un désert. Il n'y a, a plus la paix. Il y a de la souffrance. Il y a des serpents venimeux, des scorpions venimeux qui mordent, qui piquent les gens. Et beaucoup en meurent. Nous sommes dans une génération où la méchanceté, a, euh, euh, la méchanceté connaît une croissance exponentielle, où les gens sont de plus en plus, mes amis, tués comme des bêtes, comme des animaux. Et il euh, y a toutes sortes de scandales sexuels, de scandales financiers, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans ce bas monde, mes amis. On a suivi encore, mes amis, dans les journaux euh, ce scandale qui a eu lieu aux États-Unis, ce producteur de films qui a abusé de plusieurs femmes depuis des années. Hein, qui croyait, se croyait intouchable. Donc voilà, le monde va de plus en plus mal, aussi bien dans le monde que dans ce qu'on appelle l'Église aujourd'hui. Il y a toutes sortes de scandales. Et on le voit. Cet évangile de la prospérité qui prend de l'ampleur, des gens qui font des séminaires pour parler des clés de la, de la prospérité financière. C'est le monde à l'envers, c'est la cacophonie. L'évangile de la croix n'est plus prêché. L'évangile, mes amis, qui, a, qui annonce le retour du maître n'est plus annoncé. Pourquoi Parce que les gens pensent que Christ est mort à la croix pour qu'il devienne milliardaire. Oh Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous. C'est la confusion généralisée des pasteurs qui vont, faire, qui vont demander à d'autres, aux chroniqueurs, de parler d'eux pour le faire leur, leur, leur pub. Mais c'est la confusion généralisée, mes amis, là, complètement. Et ben, les vrais enfants du Seigneur sont en attente, sont dans la souffrance, ils souffrent, hein, ils éprouvent les douleurs de Thomas comme la création, et ils attendent le retour de, euh, de, de, de leur maître de notre maître, hein, parce que je suis aussi euh, esclave de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, et je veux rester son esclave jusqu'à son retour. Alléluia pour l'éternité, bien évidemment, parce que c'est lui notre maître et c'est lui mon maître. Yeshua, Amashia, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant. Alors, on, nous, on voit ici qu'on nous dit dans l'Ésaïe 35 que c'est Dieu lui-même qui viendra. Donc, le premier volet concerne sa première venue et le deuxième volet de la prophétie concerne sa seconde venue. Ben oui. Pourquoi Parce que... Regardez dans Zacharie chapitre 10. Zacharie chapitre 10, vous allez voir que euh, ici les questions de sa seconde venue, on va descendre et, euh, et euh, voilà, on va continuer à descendre. Et euh, je crois que c'est Zacharie chapitre 12, voilà. Donc on va essayer d'aller voir dans Zacharie chapitre 12. Déjà dans Zacharie 10, on peut revenir rapidement s'il vous plaît dans Zacharie 10, chapitre 10, verset 1er. Alors, demandez, demandez à Yahweh la pluie, la pluie au temps de la dernière saison. Yahweh produira des éclairs et il vous donnera une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Donc, déjà ici, on parle de l'eau, de, de, hein, de, de ce, 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 cette pluie qui va précéder le retour du maître. Hein, donc, euh, voilà, et on va aller dans. Et, euh, Zacharie, toujours douze toujours euh, 10, pardon. 10, 10 j'ai vu un passage là et euh, verset 3 et euh, et euh, voilà verset on va descendre euh, on va descendre voilà donc verset 3 voilà c'est ça alors Yahweh dit ma colère s'est enflammée contre ces pasteurs et je châtierai ces boucs car Yahweh des armées visite son troupeau donc déjà ici on va on présente Yahweh comme un berger qui va visiter son troupeau. Donc, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, allons dans Zacharie chapitre 12, cette fois-ci. Et je crois qu'à partir du verset 10, si je ne me trompe pas, et euh, qu'est-ce qu'on voit ici et euh, Verset 10, effectivement. Yahweh, c'est Yahweh qui parle. Hein « Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi celui qu'ils ont percé. » et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique et ils pleureront, comme, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né voilà donc ici les questions bien sûr de la restauration d'Israël lors du retour euh, du, du, de yéhoshua, ce retour visible lors de sa seconde venue donc voyez bien que mes amis euh, Esaïe nous dit Esaïe 35 que Dieu lui-même viendra donc il est venu en tant qu'homme Emmanuel, Dieu parmi nous. Voilà. Le mystère de la piété est grand. Paul nous dit dans 1 Timothée 3:16, Dieu a été manifesté en chair. Donc il est venu lors de sa première venue. Dieu est venu lors de sa première venue. Ensuite, il va revenir pour, n'est-ce pas, prendre son peuple, juger les nations et établir son règne de mille ans. Allons dans Ésaïe 40. Je voudrais en fait que vous compreniez que Yeshua, et le Dieu Tout-Puissant lui-même qui viendra, que nous attendons. Ce n'est pas Yeshua euh, homme seulement, c'est le Dieu Tout-Puissant lui-même qui vient. En fait, l'enseignement concerne le retour de Jésus-Christ, mes amis, confirme sa divinité. Voilà. Ésaïe 40. On va prendre à partir du verset, et euh, on va descendre un peu là. Voilà. Alors, et euh, on va descendre encore. Au verset 8 le verset 8, Ésaïe 40 verset 8. Voilà. Et à verset 9, regardez bien. Sion qui annonce de bonnes nouvelles monte sur une haute montagne. Jérusalem qui annonce de bonnes nouvelles élève ta voix avec force. Élève-la ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Et rappelez vous bien que Yeshua est présenté comme le lion de la tribu de judas c'est à dire le roi de judas celui qui règne qui gouverne judas et on nous dit que jérusalem a la mission d'annoncer hein, donc euh, si on annonce des bonnes nouvelles si on nous dit ici doit à monter sur une haute montagne pour annoncer cette bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle, justement C'est la présentation du Dieu Tout-Puissant. Voici votre Dieu. C'est ça le message. Voici votre Dieu. Le Dieu de Judas. Voilà. Et le verset 10 nous dit quoi Voici le Seigneur Yahweh viendra contre le fort. Voici le Seigneur Yahweh viendra contre le fort. Et son bras dominera sur lui. Voici son salaire est avec lui et ses rétributions sont devant lui. Donc ici, celui qui vient, c'est Yahweh, le Seigneur Yahweh. C'est lui-même qui vient. Et qu'est-ce qu'on voit Au verset 11, on nous dit quoi Il pètera son troupeau comme un berger. Il rassemblera les agneaux dans ses bras. Mm -hmm. Et il les placera dans son sein. Il conduira celle qui a l'aide. Vous vous rendez compte Yahweh qui vient est présenté comme le berger, qui va, mes amis, qui vient avec des salaires pour, bien sûr, euh, euh, récompenser ses serviteurs et juger ses ennemis. Et il vient et on nous dit qu'il va paître son troupeau. Il va paître son troupeau. Il va paître son troupeau. Et dans Jean 10, Jésus-Christ disait quoi Il y a un seul berger et un seul troupeau. Un seul berger et un seul troupeau. Il a dit le Seigneur Yeshua. Mais vous qui ne croyez pas en sa divinité, vous avez vraiment un problème. Voyez Un seul troupeau, un seul berger. Et on nous dit qu'il va paître son troupeau. Et il va rassembler ses agneaux. Il va rassembler ses agneaux. Allons voir dans Matthieu chapitre 25, verset 31. Yahweh. Et celui qui vient n'est-ce pas pour rassembler ses agneaux mm -hmm. ses agneaux allons voir verset 31. or quand le fils de l'homme viendra environné de sa gloire et accompagné de tous les saints anges alors il s'assiera sur le trône de sa gloire il s'assiera sur le trône de sa gloire donc il a un trône un seul trône le trône de sa gloire il n'y a pas trois personnes dessus. Un seul être, Yeshua. Et toutes les nations seront assemblées devant lui. Waouh! Et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Bah oui. Voilà. Donc, voyez bien que c'est l'accomplissement de la prophétie. Le Seigneur est en train de s'attribuer la prophétie d'Esaïe 40. C'est-à-dire Yahweh qui va rassembler ses agneaux. Ses brebis, son peuple, Yahweh, le Dieu de Judas, qui vient. Allons voir, toujours, nous sommes dans Apocalypse. Nous allons encore aller voir l'identité de celui qui vient là. Qui véritablement vient Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 1 Nous allons lire le verset 8. Je voudrais simplement vous encourager, vous qui croyez que Jésus-Christ est Dieu, vous encourager à continuer à y croire. Et à ne pas céder à la pression de ceux qui veulent réduire Yeshua, mes amis, euh, euh, à, à, au rang de, 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 de simple, euh, d'une créature. Hein. Je suis l'alpha et l'oméga. Verset 7 d'abord. Allons voir le verset 7 d'abord. Voici, il vient avec les nuées. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Et même ceux qui l'ont percé. Et nous savons qu'il y en a un seul qui a été percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront devant lui. Oui, Amen. Et on continue, bien sûr, c'est euh, Yeshua qui parle. Hein. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient. Ben oui. Donc il n'y a pas deux êtres qui viennent. Il hein. n'y a pas le Père d'un côté et le Fils de l'autre. Hein. Et le Saint-Esprit derrière. Non. On nous dit que celui qui vient, c'est celui qui... Était, celui qui est et qui vient. On nous dit que c'est celui qui a été percé, qui vient. Et on nous dit que celui qui a été percé est et l'alpha et l'oméga. Il le dit lui-même. Il le dit lui-même. Il dit qu'il est le commencement et la fin. Il est, il était et il vient. Et lui-même, il dit qu'il est le tout-puissant. C'est pas moi qui le dis. Il n'y a, a pas de El-Shaddai. Le Tout-Puissant, c'est El-Shaddai qui a parlé à Abraham. Dieu dit dans Jérémie, allons voir dans, on va revenir encore sur Apologéisme, allons voir Genèse 17, parce qu'on aime bien se balader comme ça dans les Écritures. Genèse 17, le Tout-Puissant qui a parlé à Abraham. Regardez bien. Puis Abraham, était, étant âgé de 99 ans, Yahweh lui apparut et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Waouh. Mais le Dieu Tout-Puissant, c'est Yahweh. Il n'y a pas deux tout-puissants, non. Il n'y a pas trois tout-puissants, non, 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 non. Il n'y en a qu'un. Et Yeshua hein, dit qu'il est El Shaddai. El Shaddai. On repart dans euh, Apocalypse, chapitre 1, verset 7 à 8. Celui qui vient, celui qui a été percé, n'est-ce pas? Et on nous dit qu'il est, il dit lui qu'il est, l'alpha et l'oméga, le premier et la, le, le premier et le dernier, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient. Qui est, ça c'est le, il est, qui est, qui est présentement, c'est le présent, qui était, et eh ben oui, qui était, parce qu'il est, il y a 2000 ans, il y a, ça c'est le passé. Hein, donc qui, qui est, c'est maintenant, maintenant, hein, on parle de trois temps ici, le passé, le présent et le futur. Et c'est celui qui vient. Et mais qui vient? C'est Yeshua. Celui qui a été percé qui vient et dit qu il dit qu'il est le tout puissant. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Je préfère croire Jésus plutôt que de croire les religieux. Voilà. Donc, Jésus confirme qu'il est le tout puissant. Il le dit lui-même, il le déclare lui-même. Et c'est lui qui vient. Mes amis, c'est terrible. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous voulons vous présenter le véritable Dieu, Yeshua, notre Maître. C'est lui que nous prêchons, c'est lui que nous vous présentons, c'est lui que nous annonçons. Il n'y a pas d'autre message, mes amis. Nous ne voulons pas hein, nous hasarder, nous ne voulons pas perdre du temps, nous ne voulons plus perdre du temps. Nous voulons vous présenter le Dieu qui vient. Chacun doit se préparer, que les gens qui ne croient pas, que les athées sachent que le Dieu qui vient, c'est Jésus-Christ de Nazareth, et il va juger les nations. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, le verset 11. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit ici Regardez bien. Voici, je viens à toute vitesse. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne t'enlève ta couronne. Voici, je viens à toute vitesse. Donc, qui vient Bien sûr, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, nous sommes dans Apocalypse chapitre 16, verset 15. Apocalypse 16, 15. Les Écritures parlent d'elles-mêmes. Le Dieu qui vient. Le Tout-Puissant, 16-15, regardez bien. Voici, je viens comme un voleur. Ah, voici, je viens comme un voleur. Béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements afin de ne pas marcher nu et qu'on ne voit pas sa honte. Voilà. C'est Yeshua qui vient comme un voleur. Il dit qu'il viendra comme un voleur. Il a dit aux apôtres, il les a avertis. Pierre a dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans 2 Pierre 3. Donc, ils ont répété les paroles du Seigneur. Voilà. Et nous sommes dans Apocalypse chapitre, mes amis, 22, le verset 7. 22, 7. Voici, je viens à toute vitesse. Béni est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Donc Yeshua continue encore à confirmer que c'est lui qui vient à toute vitesse. Nous sommes dans Apocalypse 22, le verset 12. Voici, je viens à toute vitesse et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Ma rétribution est avec moi, comme dans Esaïe 40. On nous dit que Yahweh viendra avec ses rétributions. Donc Jésus est Yahweh. La corrélation est facile à faire pour ceux et celles qui ont l'esprit. Qui a inspiré les Écritures, l'esprit qui a inspiré les apôtres, les prophètes pour écrire les écritures. Mais ceux qui ne sont pas qui n'ont pas l'esprit de Dieu, comment voulez vous qu'ils comprennent ces choses là? Ils sont ils ont le crâne rempli de théologie, ils ont le crâne rempli, mes amis, des recherches qu'ils font sur, sur internet, mais ils n'ont pas, mes amis, l'éclairage que Dieu donne. C'est Dieu qui inspire, c'est Dieu qui révèle, c'est Dieu qui illumine les cœurs de ses enfants. Le Seigneur a dit dans Matthieu 13 Il vous a été donné de connaître les mystères du Royaume des Cieux, mais pour d'autres là, aux autres là, cela ne leur a pas été donné. Ben non, parce que tout simplement, mes amis, ils sont fils du diable. Voilà, ils ne sont pas de Dieu, ils ne sont pas de la semence de Dieu. Ce sont, mes amis, ils font partie de l'ivraie. Voilà. Alors, nous sommes dans Apocalypse chapitre 20 de toujours, le verset 20. Là nous allons voir l'identité, le nom de celui qui vient encore là, parce que là on nous donne un détail, un détail là. Voilà. Euh, celui qui euh, rend témoignage de ces choses dit certainement je viens à toute vitesse. Amen. Oui Seigneur Jésus, on peut monter encore parce qu'on voit pas bien là. Ah on est au bout là. Oui Seigneur Jésus vient. Waouh. Oui, Seigneur Jésus vient. Donc celui qui vient s'appelle Jésus. Donc Jésus est le Tout-Puissant qui vient. Jésus est le Tout-Puissant qui vient. Donc vous avez vu, il est le Tout-Puissant, il est le El Shaddai. Donc celui qui vient, c'est Jésus. Jésus est El Shaddai. Jésus est le Tout-Puissant. C'est n'est pas moi qui le dis. Mes amis, il n'y en a qu'un. Et c'est Yeshua. Voilà. Celui qui vient, c'est le berger des bergers. Et quand David disait que Yahweh est mon berger dans le psaume 23, eh bien, il, bien sûr, il, euh, cette parole-là de, 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 de David, mes amis, a été confirmée par le Seigneur dans Jean 10. Jésus dit, je suis le bon berger. Mais, mes amis, c'est clair, il n'y a pas deux bergers dans un royaume. <laughs> non, dans le royaume céleste, il n'y a pas deux bergers. Le Seigneur a dit, il y a un seul troupeau et un seul berger. Il ne ment pas, Jésus. Donc, il est véritablement le Dieu tout puissant, le Dieu de gloire, le Dieu qui sauve, et hein? c'est lui qui vient, c'est lui que nous attendons. Donc, quand on étudie le, 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 la parole sur l'enseignement sur quand on étudie les Écritures sur le retour de Christ, on ne peut que se rendre à l'évidence par rapport à la divinité de Yeshua. On ne peut que croire en la divinité de Jésus Christ de Nazareth. Voilà. Et comme il n'y a qu'un seul Dieu. Véritable. Donc, il est le Père Céleste. Ouais. Isaïe l'a dit. On donnera son nom. On appellera son nom Père d'éternité. C'est pas moi qui le dis. C'est Isaïe qui l'a écrit. Voilà. Ce n'est pas moi. C'est écrit. On appellera son nom Père d'éternité. C'est-à-dire, dans le mot éternité ici, mes amis, il y a le passé, il y a le présent et le futur. C'est-à-dire, il était, il est Père. Il était Père hier, il est père aujourd'hui et il est père pour toujours. Et ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Vérifiez dans l'hébreu. Dans dans vous allez voir, c'est le mot père, le mot éternité dans Esaïe 9.5 fait allusion aux trois temps, passé, présent et futur. Bah oui, ça c'est Yeshua. Voilà. Que Dieu soit béni. Mes amis, on continue la lecture des Écritures. Nous sommes toujours dans après, 22 22.12. On va lire le verset 13 aussi. Après c 22, 12. Regardez, voici je viens à toute vitesse et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. C'est Christ qui parle ici, c'est Yeshua qui parle. Il dit qu'il va rendre à chacun selon son, son, son œuvre comme Yahweh l'a dit dans Isaïe 40. Et le verset 13, Yeshua dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bah ben oui, bah ben oui, bah ben oui mes amis, bah ben oui, et le Seigneur est clair, celui qui vient, c'est celui qui est l'alpha et l'oméga, c'est Yeshua, notre maître, notre Dieu. Nous sommes dans, mes amis, euh, Apocalypse 11, 17. Apocalypse 11, 17. Regardez bien, mes amis, ce qu'on nous raconte ici. et euh, 16, On commence par le verset 16. Alors les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient de ce que tu as fait éclater ta grande puissance et de ce que tu as agi en roi. Mais qui a agi en roi Qui est le roi des rois Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et on nous dit que les 24 anciens l'adorent. Ben oui, ben oui, chrétien. Voilà la parole, voilà l'évangile. Les 24 anciens au ciel adorent celui qui était. Celui qui est, celui qui vient. Et celui qui vient, vous l'avez vu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les anciens au ciel l'adorent. Et vous ne voulez pas l'adorer? Ça, c'est votre problème. Moi, je l'adore, Jésus-Christ. Parce qu'il est mon Dieu. Parce qu'il est mon sauveur. Parce qu'il est mon Père céleste. Et personne ne va me changer d'avis parce que les écritures sont claires là-dessus. Hallelujah, gloire à Dieu. Ceux qui sont contre la divinité de Jésus-Christ sont des impies. Ce sont des possédés. Ce sont des enfants du diable, mes amis. Voilà. Ça c'est clair. Les Écritures sont claires là-dessus. Celui qui vient, c'est qui Eh ben, c'est Yahweh. Eh ben, celui qui vient, c'est Yahweh et Yahweh et Jésus. Jésus et Yahweh. Ben oui, frères et sœurs. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Regardez bien. Oui. Ben oui. Regardez bien. Le verset 18. Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts et de donner la récompense à tes esclaves, les prophètes et aux saints et à ceux qui craignent ton nom. Et qui sont ceux qui craignent le nom? Le nom de qui Eh bien, le seul nom qui nous a donné, est donné, c'est le nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu, mon Dieu. Voyez bien, Vous voyez que et, et, on nous dit petits et grands, et de détruire ceux qui corrompent la terre. Vous vous rendez compte, mes amis, là? Et on nous dit que ce, ce Dieu qui vient, le Tout-Puissant qui vient, il va juger les morts. Nous sommes dans un, mes amis, dans un, dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Verset 1er. Je t'en conjure devant Dieu même, je t'en conjure devant Dieu même, le Seigneur Jésus Christ, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Ouh là 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 là. Et vous doutez encore de la divinité de Jésus Christ de Nazareth? Vous voulez écouter les impies qui n'ont pas l'appel du Seigneur et qui sont envoyés par le diable? Mes amis, ceux qui vous n'avez rien compris. La, la parole est claire. Ceux qui ne reconnaissent pas la divinité de Yeshua auront des problèmes, mes amis, parce que c'est lui le Dieu véritable qui vient. Vous attendez quel Dieu? Vous attendez quelle personne Il vient en tant qu'homme et en tant que Dieu. Ben oui, c'est ça. C'est le même Seigneur qui vient, le même Dieu. Le même berger, le seul véritable berger. Le seul gardien de nos âmes. Seigneur, sauve-nous. Nous voulons que ces choses-là nous libèrent, cette parole nous libère, cette vérité nous éclaire, nous illumine. Au nom de Yeshua. Donc vous voyez bien que les 24 anciens disent que le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, qui est, qui était, qui vient, va juger les morts. Eh bien, ici, on nous dit que le Seigneur Yeshua, quand il va venir, il va juger les morts. Il va juger les morts. Je t'en conjure devant Dieu même, le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Waouh, Seigneur, sauve-nous. Quelle parole, quelle parole, Seigneur. Merci pour ta parole. Cette parole, moi, elle m'excite. Me moi, elle me donne la force. Elle me rend fou. Fou de Jésus-Christ de Nazareth, bien sûr. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans Apocalypse chapitre... 1. Et euh nous sommes dans, pardon, nous sommes dans, on va prendre euh, Psaume 96. Psaume 96. Alors, euh, on va lire à partir du verset premier. Hein. Chantez à Yahweh un cantique nouveau. Vous tous les habitants de la terre, chantez à Yahweh. Chantez à Yahweh, bénissez son nom. Bénissez son nom. Prêchez de jour en jour sa délivrance raconter sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tout le peuple. Car Yahweh est grand, Yahweh est grand, on va le voir tout à l'heure, car Yahweh est grand et digne d'être loué, il est redoutable au-dessus de tous les dieux. Il est au-dessus de tous les dieux, car tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux. Mais Yahweh a fait les cieux. Waouh Hallelujah Tous les dieux des peuples Oh non, nous en Afrique, on a notre dieu, nos dieux Oh non, 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 ce sont des faux dieux Oh nous, dans notre, notre famille, on a nos dieux, tout ça, nos coutumes, des faux dieux. Seul Yahweh est le véritable Dieu. Et Yeshua, c'est Yahweh et salut. Donc ben voilà, donc ce nom n'a pas changé. Il porte toujours le nom de Yahweh. Voilà, le verset 6, euh, la splendeur et la magnificence marchent devant lui. La force et la beauté sont dans son lieu saint. Famille de peuples, rendez à Yahweh, rendez à Yahweh la gloire et la puissance, rendez à Yahweh la gloire due à son nom, emportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant Yahweh avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous toute la terre. Dites parmi les nations, Yahweh règne. Oh, alléluia, alléluia. Même le monde est affermi et il ne sera il sera et il ne sera point ébranlé, il jugera les peuples avec équité. Ben bah oui, c'est Yeshua qui va juger les nations, Matthieu vingt le dit qui va juger les nations, il va séparer les boucs, avec, les brebis avec les boucs, que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, car que la mer tourne, tonne, que la mer tonne avec tout ce qu'il la rempli, avec tout ce qui la rempli, que tous les champs s'égaillent avec tout ce qui est en eux, alors tous les arbres de la forêt chanteront de joie devant Yahweh. Pourquoi Car il vient. Qui vient, Yahweh Car il vient. Car il vient pour juger la terre. Il jugera avec justice le monde et les peuples selon sa fidélité. Ben oui, c'est la confirmation de Matthieu 25. Yeshua va juger les nations, mes amis. Ben oui. Celui qui vient, c'est Yahweh. Mais Yahweh, et Yeshua, Yeshua, et Yahweh. Donc, vous voyez, c'est simple à comprendre ces choses-là quand on a l'Esprit de Dieu, bien, bien sûr. C'est simple. Donc, les gens qui disent que, non, Yeshua qui vient, c'est seulement Yeshua, homme. Et le Dieu tout-puissant, il sera où à votre avis Il va rester au ciel là-bas. Mais non, les Écritures nous disent que Yeshua qui vient, et le Dieu tout-puissant, c'est lui le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable. Allons dans Psaume 98, mes amis. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, c'est la même chose. Hein. Vers la fin, 98, vers la fin, on nous dit quoi Verset 9, hein 8 et 9. Que les fleuves frappent des mains et que les montagnes chantent de joie devant Yahweh, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Bah ouais. C'est Yahweh qui vient. C'est Yahweh qui vient. Allons dans Zacharie 14. On connaît ce passage, Zacharie 14, mes amis. Zacharie 14, à partir du verset premier. Voici, le jour de Yahweh arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi, Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour qu'elles lui fassent la guerre. La ville sera prise, les maisons pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira, ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Alors Yahweh sortira, il sortira d'où ben Du ciel. Alors Yahweh sortira et il combattra contre ces nations comme il a combattu au jour de la bataille. On nous dit que Yahweh va sortir pour combattre. Donc Yahweh va combattre. Regardez bien, verset 4. Ses pieds, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Ses pieds, ses pieds. Les pieds de qui De Yahweh. Bah oui, Yeshua est monté au ciel de la montagne des Oliviers, dans acte 1. Et les anges ont dit aux apôtres, il reviendra au même endroit, de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, vous voyez, c'est Yeshua, Yahweh, Yahweh et Yeshua. C'est clair, c'est simple à comprendre ces choses-là, mes amis. On nous dit que Yahweh va sortir pour combattre. Allons voir dans Apocalypse 19, là-bas. Yahweh va sortir pour combattre, après le 19, à partir du verset 11. Qu'est-ce que la parole nous dit, mes amis, ici, là Regardez bien, à partir du verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert. » Bah oui, comme une porte, pour sortir, pour que quelqu'un sorte. Euh, euh, voilà. « Et voici paru un cheval blanc, et celui qui était monté dessus s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge. Ah bah oui, parce qu'il va juger la terre. Et il juge et combat avec justice. Yahweh combattra. Bah oui, Yahweh combattra. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Oh Jésus Christ. Et il y avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Oh mon Dieu, c'est le roi des rois. Je l'aime ce, ce, ce Dieu tout puissant. Et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. <laughs> si ce n'est lui-même. Personne. Mais si c'est pas lui le père. Alors, ça veut dire que le père qui est quelque part là-bas ne connaît pas le nom de Jésus de Jésus ce nom là que seul Yeshua connaît. Oh Seigneur Oh mon Dieu hallelujah. Donc vous avez un problème vous qui ne croyez pas que Yeshua est Dieu. Vous avez un problème. Hein <laughs> Seigneur, sauve-nous. Que les enfants du Seigneur s'égaillent, qu'ils se réjouissent parce que le Seigneur se révèle à son peuple. Nous sommes à la veille du retour du Maître. Il est à la porte, il est revenu nous prendre, frères et sœurs, Yeshua. Et je vous dis, je n'ai pas d'autre Dieu que Yeshua. Je n'ai pas d'autre pasteur que Yeshua. Je n'ai pas d'autre message que Yeshua. Je n'ai pas d'autre évangile que Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux pas d'autre Maître que Yeshua. Je ne veux ni femme, ni argent. Ce que je veux, c'est Jésus-Christ de Nazareth, lui plaire et faire sa volonté et basta. Voilà. Alléluia, oh mon Dieu, il était revêtu d'un vêtement teint de sang et son nom s'appelle la parole de Dieu, oh mon Dieu, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, les armées, mes amis, les armées, voilà pourquoi Dieu se présente dans les Écritures comme le Dieu des armées, bah ben oui, le Dieu des armées, oh Alléluia, Alléluia, Jésus, je suis excité là mes amis, oh je suis, je suis rempli de, de joie, Alléluia. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Les armées célestes ne peuvent suivre que le Dieu des armées. Alléluia. Mon Dieu. Alléluia. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. Proverbe nous dit que le, 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 le cheval est équipé pour la bataille. Alléluia. De sa bouche sortait une épée tranchante pour frapper les nations. Et il les gouvernera avec un sceptre de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'indignation et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Bah ben Oui, C'est lui le Dieu Tout-Puissant. C'est lui-même. Et sur son vêtement et sur sa cuisse étaient écrits ces mots. Le roi des rois et le seigneur. Alléluia, des seigneurs. Bah ben oui. bah ben oui, frère. Il y a tellement de choses. Le roi des rois et le seigneur des. Allons dans Deutéronome 10, 17. Deutéronome 10, 17. Nous voulons vous présenter Jésus-Christ. Ne vous arrêtez pas sur moi. Je ne suis que de la poussière. Je ne suis rien qu'une vapeur. Arrêtez-vous sur Yeshua. Allez voir Jésus-Christ. Ne venez pas me voir. Vous avez compris, frères et sœurs, nous ne voulons nous cacher. Nous ne voulons pas que les gens forcément s'arrêtent sur nous. Nous voulons vous présenter celui qui sauve. Car Yahweh, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Le Seigneur des seigneurs. Il ne peut, il ne peut pas y avoir deux Seigneurs de Seigneur. Ah ben non. Le Seigneur des seigneurs, c'est Yahweh. Et dans Jean, dans Apocalypse... Le prophète Jean confirme que Jésus Christ est Yahweh, car sur, son, sur sa cuisse est écrit le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs, le fort, le grand. Notez bien hein, le grand, le grand, notez bien le grand, le grand, le puissant et le redoutable qui n'a point d'égard à l'apparence des personnes et qui ne prend point de présent. Les, les pharisiens ont dit à Jésus-Christ, quand tu enseignes, tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Oh mon Dieu. Alléluia. Il est présenté comme le grand. Allons voir dans Tite 2. Si vraiment Jésus-Christ est, est, est présenté comme le Dieu qui est grand. Allons voir, Tite 2. Mes amis. Alléluia. Celui qui vient, c'est Yeshua. Il est Yahweh. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est l'Alpha et l'Oméga. Il est El Shaddai. Mes amis, Tite. Chapitre, chapitre 2 verset 13 Alléluia gloire à Dieu Regardez bien regardez bien D'abord le verset 11 Car la grâce de Dieu salutaire à tous les hommes a été manifestée et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux passions mondaines et à vivre dans l'âge présent d'une manière tempérée juste et pieuse en attendant l'heureuse espérance et l'apparition de qui? De la gloire du grand Dieu et sauveur de nous tous, Jésus-Christ. Waouh! 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 En attendant l'heureuse espérance et l'apparition de qui? De la gloire du grand Dieu et sauveur de nous tous, Jésus-Christ. Maintenant vous allez dire non, ça c'est la Belgique, c'est leur Bible tra trafiquée. On va voir. Mon frère tape sur Google comparaison Bible comparaison Bible. On va aller vérifier ailleurs parce que vous allez voir que Jésus-Christ est présenté comme le Dieu grand, le grand Dieu qui vient. Ben oui, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les Écritures, mes amis. Ben oui, nous voulons vous présenter ce Dieu véritable. Tite. Bien sûr, nous sommes dans... On clique le premier, le premier lien. Le premier lien, on revient en arrière. Le premier lien, voilà. On clique dessus et on va taper Tite ici. Vous allez voir, on va vérifier dans toutes ces Bibles la Tite. Voilà. 2 treize. On va vérifier, vous allez voir que la plupart des traducteurs de la Bible là ont reconnu quand même ici que Jésus-Christ est le Dieu grand. Bah ben oui. Alors nous sommes dans la Bible de la liturgie, Bible catholique. Regardez bien. Ce n'est pas pour valider l'Église catholique romaine. Non, c'est pour vous montrer que quelque part là, ces gens là aussi n'ont pas le choix que de, de traduire ici comme c'est écrit dans le grec, en attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur. Jésus-Christ. Ils le reconnaissent ici, là. Hein? Même si on sait que dans leur doctrine, ils prêchent un faux Jésus, mais nous savons que dans la Bible ici, qu'ils ont traduit, là, mes amis, là, ils ont reconnu ici, là. Alléluia. Oh, Alléluia. Nous sommes dans la Bible second 21. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, qui Jésus-Christ. Hein? Même second 21, ici, là, la Société biblique de Genève, là, ils ont reconnu que Jésus-Christ est le grand Dieu. Comme les Écritures hébraïques présentaient Yahweh comme étant le grand Dieu. Il ne peut pas y avoir deux grands Dieux. Non. Donc celui qui vient, c'est le grand Dieu qui vient. Hein? Bible des peuples. Pareil, mes amis. En gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Mes amis, nouvelle seconde. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Bible se, 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 se meurt. hein Donc, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus Christ, notre grand Dieu et sauveur. <laughs> attends, 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 attends. Et vous prêchez en même temps à la Trinité. C'est la confusion généralisée, mes amis, là. Hein? Vous dites une chose et son contraire. Alléluia. Moi, je crois que Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Donc, en tant qu'homme, il pouvait dire que Dieu est plus grand que moi. C'est normal parce que c'était l'homme. Voilà. En tant que Dieu, il est grand. C'est le grand Dieu. C'est le tout puissant. Ben oui, frère. Ben oui. Hein Traduction du monde nouveau. Ça, c'est le témoin Je vois voilà, ils ont trafiqué ici. Là. Regardez bien comment ils ont trafiqué. Tandis que nous attendons l'heureuse heure, espérance et la manifestation glorieuse du grand Dieu et du Sauveur de nos personnes. Jésus-Christ. Hein même, à, même, à même temps, ici, là, ils ont reconnu. Mais ils n'ont pas eu le choix. Ils ont rajouté nos personnes. Mais ils n'ont pas eu le choix que de traduire ce passage-là correctement parce que c'est écrit comme ça dans le grec. Hein oh non, non, j'aime les écritures, mes amis. là. Oh, alléluia. Vous voyez Tous, pratiquement, l'ont reconnu. Tous. Tous ont reconnu, mes amis, ici, dans Titre 2.13, que Jésus-Christ est le grand Dieu. Tous. Tous. Sans exception pratiquement. là. Alors, vous voulez quoi hum? Vous voulez quoi C'est écrit. La parole est claire là-dessus. Tous. Tous. Sans exception. Donc là, nous, 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 nous ne sommes pas arrêtés sur la BGC seulement. Nous, vous voyez toutes ces Bibles-là, tout ça. Là. Il y en a eu plein. Il y en a plein. Et ils n'ont pas eu le choix, ces traducteurs, que de reconnaître que celui qui vient, c'est Yeshua. Et on parle, et Paul dit que son retour, il appelle son retour l'heureuse espérance. L'heureuse espérance. L'heureuse espérance. C'est la manifestation ou la révélation du grand Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je m'incline devant ce grand Dieu. Alors, je ne sais pas si quelqu'un appelle pour poser des questions, pour dire quelque chose, mais en tout cas, ma joie est grande, mes amis. Ma joie est grande. Yahweh qui vient, Yeshua qui vient, le bon berger qui vient, le Seigneur qui vient. Voilà, le Créateur du, du ciel et de la terre vient. Il revient. Alors préparons-nous pour son retour. C'est lui, mon Créateur, notre Créateur. Vous qui ne croyez pas en Dieu. Faites l'expérience, parlez à Dieu dans votre cœur, demandez lui de se révéler à vous, il va le faire. Notre message, mes amis, le plus grand message que Dieu m'a donné à prêcher, c'est la révélation de Jésus Christ. Parce que on peut parler de la crainte de Dieu, de la sanctification. Oui, nous en parlons, oui, nous parlons sur la sanctification, la crainte de Dieu. Mais si vous n'avez pas la révélation de Jésus Christ, s'il si ne se révèle pas à vous, vous ne pourrez pas, vous ne pourriez pas le craindre. S'il ne se révèle pas à vous, vous ne pourriez pas l'aimer. Oui, nous parlons de la repentance. Oui, nous parlons de la sanctification. Mais le message le plus grand, c'est Jésus. D'ailleurs, Paul dit dans, dans Romains 1, il dit quoi Regardez, regardez Romains 1. Il y a un passage là. Merci Seigneur pour ce rappel. Vous allez, je vais vous, vous montrer quelque chose là. Regardez bien Romains 1. Alléluia. Et euh, on va commencer par le premier verset. Paul, esclave de qui? De Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Vous avez vu? Mis à part pour annoncer l'Évangile de qui? Ah, l'équipe répond: hein l'Évangile de, de Dieu. Ok. notez bien l'Évangile de Dieu. Donc l'Évangile présente Dieu. Voici Dieu. Voici votre Dieu. Alléluia. Comme Ésaïe le dit, hein 35 Ésaïe 40. Voici votre Dieu. Et le verset 16, qu'est-ce que Paul dit Regardez bien, car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. De l'évangile de qui, de de qui Ah Donc, est-ce qu'il faut vraiment beaucoup d'études pour faire une corrélation Évangile de Dieu égale évangile de Christ. Donc, c'est simple à comprendre. Christ est Dieu. Dieu, c'est Christ. Voilà mes amis. Il n'y a pas deux évangiles, mes amis. Regardez Paul de la Galate, Galate 1, il dit quoi C'est pas qu'il y ait un autre évangile. Eh ben non, ben non. Donc l'évangile de Dieu, c'est l'évangile de Christ et c'est ça le message. Si un pasteur, un prophète, un prédicateur chrétien écoutez bien s'il vous plaît, si un, un dirigeant d'église vous parlez d'argent du matin au soir, des clés pour avoir la richesse. Hein? Il faut donner pour avoir beaucoup d'argent. Quittez cette, ces églises-là. Si un pasteur ne s'arrête pas sur Jésus-Christ de Nazareth du matin au soir pour vous révéler les mystères du royaume des cieux qui, se, qui ont un rapport avec le Seigneur Yoshua. Si un prédicateur ne vous parle pas plus de Jésus-Christ de Nazareth, ne l'écoutez plus. Voilà, nous sommes à la fin. On n'a pas à vous prêcher sur les églises. On n'a pas à vous prêcher sur les hommes. On n'a pas à vous dire, mes amis, de suivre les hommes. Oh, le club des amis de tels prophètes. Oh, quelle idolâtrie, quelle, quelle confusion. Si quelqu'un passe son temps sur son fauteuil pour parler des autres, au lieu de vous prêcher Jésus-Christ de Nazareth, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On doit vous parler de Jésus-Christ de Nazareth pour avoir une grande foi. Parce que nous sommes à la veille de la, de, du retour du maître. Il faut que le maître soit prêché, proclamé, révélé. C'est ça l'évangile. Oui, il y a des faux. On les dénonce oui. Mais on ne va pas baser un ministère sur sur hein, euh, les histoires qui se passent dans les dans les assemblées. Mais on n'a pas le temps, il faut préparer le peuple au retour du Seigneur. Ça c'est la distraction. Nous savons qu'il y aura des faux. Nous savons qu'il y aura des faux dans le monde. Nous savons ces choses-là. Focalisons-nous sur qui Sur Yeshua. On va lire ce passage pour confirmer ce que je viens de vous le, de vous dire. Hébreu, chapitre chapitre euh, 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 12. Oh Seigneur, sauve-nous. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, et poursuivons constamment la course qui nous est proposée, portant les yeux sur qui? Sur Jésus, qui est le chef de la foi et qui l'amène à la perfection. En échange de la gloire qui lui était réservée, il a souffert la croix et a méprisé la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il est question, bien sûr, bien sûr, ici, de Joshua, homme. Il est mort en tant qu'homme et il est ressuscité en tant qu'homme. Bien sûr. Donc, on nous demande d'avoir les yeux sur Jésus-Christ. Comment voulez-vous que votre foi soit affermie? Comment voulez-vous échapper à toutes sortes de séductions? Si vous, 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 vous êtes là pour écouter les chroniqueurs hein, qui passent leur temps à, à, à fouiller sur la vie des uns des autres. Qu'un pasteur meurt, c'est entre lui maintenant et le Seigneur. Mais quand les gens commencent à dire non, mais tel pasteur est mort parce que Dieu l'a frappé, oui, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Mais tout le monde, nous allons tous mourir. Tous. Chacun doit se préparer. Voilà. Quand quelqu'un meurt, mais c'est maintenant entre lui et le Seigneur. Regardez, regardez. Le Seigneur dit quoi? Il dit, un jour, on lui dit, voilà Seigneur, tu as vu les gens là dont Pilate a mêlé le sang avec, leur, avec celui de leur sacrifice. Le Seigneur dit quoi Eh bien, si vous ne vous repentez pas là, vous mourrez aussi comme les autres. Donc si un pasteur, un prédicateur, un chrétien meurt, eh bien, si Dieu l'a frappé, eh bien, nous qui sommes vivants, nous devons tirer des leçons afin de nous préparer, de nous préparer, nous nous sanctifier encore davantage, ça doit nous amener à la crainte. Maintenant, c'est entre la personne qui est décédée et le Seigneur. Voilà, nous ne sommes pas des juges des morts. Ah eh ben non, il y a un seul juge des morts, c'est écrit, c'est Jésus. Alors, ceux qui sont là en train de vouloir chercher des, des, des histoires à gauche, à droite, ça c'est la distraction, frères et sœurs. Prêchons l'évangile pour que les gens soient sauvés. Présentons aux gens Christ. Oui, dénonçons le mal, mais parlons plus de Jésus-Christ de Nazareth. Chrétiens, soyez de ceux-là qui cherchent beaucoup plus à, leur, à, à ce qu'on leur parle plus de Jésus-Christ plutôt que des histoires ici et là. Mes amis, mes amis, on est fatigués. Nous voulons nous préparer pour le retour du maître. Que Dieu vous garde, mes amis. A bientôt. Au revoir.